Bienvenue sur le plateau de TV Service, votre quotidienne préférée. Oui, tous les jours, midi et demi, 17h, 23h. Aujourd'hui, sujet spécial. Oui, parce que bientôt, en Guadeloupe, vous aurez le mois de l'Afrique avec une tonne d'activités, avec des invités prestigieux. Et pour en parler, je reçois Marie-Josée Tirolien. Bienvenue sur le plateau. Est-ce que ça va ? Très bien, ça va très bien. Merci de me recevoir. C'est un plaisir parce que honnêtement, vous avez un programme qui est vraiment très alléchant. Alors déjà, petite question que je posais hors antenne, est-ce que c'est la première édition du Mois de l'Afrique ? C'est la 13e édition. La 13e déjà. Édition, ouais, alors ça, pour ça faire quelques rêver, années. Voilà, donc qui avez-vous déjà reçu ? Pour celles et ceux qui n'étaient pas forcément au courant. Ni là. Ouais. Eh bien, on a reçu des invités intéressant. On a reçu Cheikh Baké Diop, qui est le fils de Cheikh Anta Diop, qui a pu parler de la vie de son père. D'accord. Nous avons reçu aussi Juliette Smeralda, Clapopo, qui est un coach spécialisé dans l'entrepreneuriat et qui va revenir encore cette année. D'accord. On a reçu Aboubakari Moussalam. On a reçu de grands noms. On a reçu Babacar Sall. On a reçu... On a reçu en exposition, par exemple, une reproduction de tombeau d'un pharaon qui était pendant un mois ici. C'était très bien. On a reçu l'ambassade d'Éthiopie, nous avait aussi passé Lucie. Okay. Donc le squelette de Lucie qui est dénommé l'ancêtre de l'humanité. Exactement. Elle est restée ici pendant un mois aussi. Donc on a déjà fait pas mal de belles choses avec des thématiques diverses et variées. C'est extraordinaire. Et tout ça, les amis, en Guadeloupe. En Guadeloupe, parce que nous aimons la Guadeloupe et nous aimons les Guadeloupéens surtout. Oh là 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 là, que c'est beau, de l'amour, c'est ce que j'aime, l'amour. Alors justement, que peut-on retrouver cette année pour le mois de l'Afrique, on rappelle, qui débute le 1er février. Alors, que peut-on retrouver ? Alors, dès le 1er février, c'est une édition spéciale cette année parce que nous allons attaquer le domaine de l'entrepreneuriat et de l'économie en Guadeloupe. Ça, c'est important. C'est super important. Et qui mieux que Marcus Garvey a développé un peu le concept d'entreprendre entre noirs, comment se développer et donc fait venir son fils, puisque Marcus Garvey, bien sûr, n'est plus. Mais son fils sera avec nous pour nous parler de la vision économique de son père. Alors justement, est-ce qu'on peut dire, voilà, rapidement, même s'il faudrait vraiment une émission pour parler de lui, qui était Marcus Garvey ? Oui, Marcus Garvey, c'était un Jamaïcain qui a émigré assez tôt aux États-Unis parce qu'il avait une vision. Il s'était rendu compte que partout dans le monde, les Noirs étaient opprimés. Exact. Ça nous rappelle quelque chose. Vaguement. Il a remarqué ça et il s'est dit non, je vais faire quelque chose pour que les Noirs ne soient plus les derniers partout où ils sont. Et il a créé une association qui s'appelle l'UNIA, donc entre association du développement et de l'amélioration de la condition des Noirs. Et cette association a eu 6 millions d'adhérents en son temps, 1920. 6 millions d'adhérents jusqu'à 6 millions d'adhérents. Et Marcus Garvey donc a lancé des entreprises, une compagnie maritime, Black Star Line. Il a ouvert des salons de coiffure, des écoles, des blanchisseries. Enfin, il a vraiment donné plus de 1000 emplois aux Américains à l'époque. Ouais. Et il a vraiment développé un grand mouvement pour apprendre aux Noirs à travailler ensemble, à s'entraider, à développer une économie entre eux. Quoi. Les Noirs, apprendre à travailler ensemble, à s'entraîner, c'est pas compliqué. et voilà, donc Marcus Garvey, un grand homme, qui effectivement, de son temps, n'a pas eu toute la reconnaissance qui lui était due. Mais maintenant, en tous les cas, il est reconnu, son œuvre est publiée. Ouais, tout à fait. Et nous, on trouve qu'il n'est pas assez connu. C'est pour ça que ce mois de l'Afrique lui consacrera une exposition complète à Rémenesouta pendant 15 jours. Okay. Et son fils sera là pour le vernissage de l'exposition, pour l'ouverture du mois de l'Afrique et bien sûr une conférence où il va nous parler de son père. C'est excellent. Est-ce que ça a été difficile justement d'avoir Julius Julius Garvey. Garvey, voilà. Oui. En Guadeloupe. Est-ce qu'il a dit oui tout de suite ou est-ce que ça a été C'est-à-dire que c'était difficile, c'est de le contacter. Okay. Une fois que je l'ai contacté, il a dit oui tout de suite. Okay, parce que lui, travailler avec ses frères, c'est vraiment, il est super content. Donc il sera là tout le mois, il sera la première semaine, la deuxième semaine. La première semaine, d'accord. Parce qu'il est chirurgien cardiologue. Ok. Donc il a du boulot, mais il va prendre quelques jours pour venir partager avec nous, échanger, faire le vernissage de l'exposition. Enfin, Brahi sera là du 1er au 4. Et tout le monde pourra parler avec lui, échanger, communiquer. Prévu, c'est prévu. Dès l'ouverture. Il sera accessible. Il sera accessible, ceux qui sont présents à l'ouverture environ. Okay. Après, il y a les conférences, il y a le vernissage de l'exposition. Enfin, bref, on fait tout pour que les échanges puissent être directs. C'est excellent. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourra retrouver après ? Alors, après, on a organisé pas mal de rencontres avec des entrepreneurs de la Guadeloupe qui ont des choses à dire.
Donc, on pourra les rencontrer, leur poser des questions. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était difficile? Quelles sont les embûches qu'ils rencontrent? On a aussi des rencontres avec des entrepreneurs qui travaillent avec l'Afrique et la Caraïbe, déjà, parce que ça, c'est important de travailler avec son environnement proche et naturel. Donc, on a ce genre de rencontres. Et puis aussi des séminaires et des ateliers de formation pour ceux qui ont envie d'entreprendre et qui ne savent pas comment faire, ceux qui entreprennent déjà et qui ont envie d'avoir d'autres débouchés sur l'Afrique, par exemple, la Caraïbe. Donc, on a vraiment, c'est vraiment un séminaire fait pour les entrepreneurs ou pour ceux qui ont envie d'entreprendre. Et on reçoit aussi des conférenciers comme Juliette Smeralda qui sera là. D'accord. Elle a sorti un nouveau bouquin sur le cheveu. Alors, surtout sur le cheveu d'appoint. Une économie dont tout le monde profite sauf nous. Ok. Parce que le cheveu, ça, c'est vraiment une économie importante, surtout chez les afrodescendants. Ça, mais souvent, ce n'est pas nous qui en avons les retombées économiques. Exactement. Donc, on va en parler. Et l'entrepreneuriat aussi dans ce domaine est à encourager. Parce qu'il y a beaucoup de mines, d'endroits où on peut... Justement, j'allais poser la question, quels sont les domaines sous-estimés ou les domaines qu'on ne pense pas forcément, où on peut vraiment s'impliquer, c'est-à-dire au niveau de l'entrepreneuriat, du travail, du développement pour nous, c'est-à-dire nous, afro-descendants, quels sont les domaines qu'on ne pense pas forcément aller chercher du boulot là. C'est pour ça qu'il y a des rencontres pour ça, spécifiquement. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de dire que la population de la Guadeloupe, elle vieillit. En fait, elle ne vieillit pas. C'est nos jeunes qui ne reviennent pas. Exactement. Et qui s'en vont. Donc, en fait, c'est tout ça, c'est pour inciter nos jeunes à revenir, à rester, parce qu'il y a des choses à faire. On est une petite île, mais on a tellement de talents, tellement de possibilités. Donc, tout ce mois de l'Afrique-là va inciter les jeunes à pouvoir revenir au pays. Se dire, tiens, mais nous peut faire ça. Hein. Nous peut faire ça. Et revenir sur toutes les petites mines qu'on peut entrevoir. Henri-Joseph a déjà... Il travaille pas mal là-dessus. Exactement. Il y a d'autres qui... Et il sera présent sur un des séminaires aussi. Donc, en fait, on doit ouvrir les portes, apprendre à travailler ensemble et se soutenir. Donc, quelques petits conseils. On a parlé du cheveu, domaine du cheveu. On a parlé d'Henri-Joseph, donc tout ce qui est plantes médicinales et compagnie. La peau aussi de l'homme noir. Le cheveu. Et tout ce qui est spécifique au noir, en fait. On peut se lancer là-dedans parce que c'est un domaine qui a été sous-estimé ou mal exploité par ceux dont c'est l'intérêt uniquement financier. Mais nous, on n'a pas seulement un intérêt économique, mais aussi un intérêt pratique parce que ce sont des produits que nous allons utiliser. Exactement. Donc, il y a vraiment des mines, des terrains où on peut explorer encore. Et puis, on voit, je vois une jeune femme qui a lancé un salon de pâtisserie vegan. Exactement. En plus, avec nos produits locaux, mais c'est extraordinaire. C'est super. Vous voyez, on travaille pour nous maintenant. Là, 2020, on est parti. C'est pour nous. C'est du pour nous, par for nous. Us, bias. Partout. Exactement, bias. Hey, c'est pour nous. Alors, comment ça va se dérouler? Est-ce que ça sera tous les jours pendant un mois ou est-ce qu'il y aura des dates précises? Est-ce que ça sera seulement le week-end? Tous les jours. Comment ça se passe? Tous les jours. Okay. Le mois de l'Afrique, c'est tous les jours. C'est gratuit. Un mois. Ou il faut avoir un pass, au mois. Alors, les conférences sont gratuites. Okay. Mais effectivement, comme on doit nous-mêmes financer le mois de l'Afrique, on a des spectacles qui sont payants, auxquels on invite les gens à venir nous soutenir, puisque pour faire le mois de l'Afrique, il faut des sous. Okay. Donc, on a opté sur le fait que toutes les conférences sont accessibles à tout le monde. Donc, on peut voir juste gamer sans payer. Oh, c'est bien ça. Ah oui, parce que franchement, on peut pas. Il y a des gens qui ont envie de le voir, qui n'ont pas d'argent. Allez voir Julius Garvey sans payer. Ben oui. C'est gratuit. Allez-y, sortez de chez vous. Ceux qui peuvent à l'ouverture payer 15 euros pour nous donner la force peuvent venir aussi parce qu'on fera un spectacle avec les gamals déjà en transport. Il y aura les gamals. C'est les danseurs gamals qui représentent la Guadeloupe. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces abdos. Ils me font honte, moi, avec mon petit bidon. Tibidon. Il y aura les gamals, il y aura le défilé de la boutique des créateurs. Ok. Oh, les créateurs. Oui, Claudia, les créateurs seront on là. Salue. Ça vient des créateurs. Voilà. Ça, là. Kémé Woods. Yes. Les créateurs. Kémé sera là, justement. Kémé sera là. Pour le défilé, bien sûr. Excellent. Et on aura aussi Bled Mikey, donc c'est un chanteur qui est prometteur. Donc, on a fait un programme qui ça vaut le coup. Venez. Vous me donnez envie. J'ai envie de poser tout mon mois et de venir voir ce qui se passe dans le mois de l'Afrique. Il n'y a pas de problème avec la caméra aussi. Avec la caméra, bien sûr, on fait ça TV en commune. On est preneur. Donc le mois de l'Afrique, c'est ouvert, c'est bien, avec des dates payantes pour des spectacles, mais d'accord, des conférences gratuites, des ateliers de formation. Venez regarder le programme, il est déjà en ligne sur hashtag LMDA 2020, forcément, pour ceux qui sont branchés. LMDA Sinon, 2020. Le mois de l'Afrique, LMDA 2020, hashtag. Et sur le site de l'association Racine, il y a le programme aussi, donc associationracine.com.
D'accord. Donc on a essayé de faire un programme intéressant, okay. intelligent, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Ça paraît vraiment très intéressant. Justement, culture, transmission, donc forcément transmission. Ça dit livre, bouquin. Est-ce qu'il y aura des petits livres, justement? Parce que souvent, le Guadeloupéen ne sait pas quoi lire, comment s'informer sur sa culture et son histoire. Il y aura des stands, justement des livres sur Marcus Garvey, et pas que ça. Okay. Il y a des livres sur la formation, on a envie de s'intéresser à son histoire. Il y aura des livres qui sont faits pour ça. Il y aura aussi d'autres stands, parce qu'on aime aussi se parer, être belle. Tente sur la beauté. Oui. Il y a l'élection de la reine de Saba. Il y aura une élection aussi. L'élection de la reine de Saba, c'est complet. La sixième édition. D'accord. Sixième édition, en fait, c'est pour revaloriser un peu la femme au naturel. Okay. Donc avec ses cheveux crépus, sa peau noire, tout la sublimée. Voilà. Donc il y aura le 8 février, élection de la reine de Saba. Donc il y a des événements clés phares qui vont accompagner tout le mois de l'Afrique, okay. avec des invités tout au long de ce mois. Quel âge a l'association Racine? Parce que vous faites vraiment un travail extraordinaire. Vous avez quel âge? 20 ans. 20 ans 20 ans. Au combat. Tous les jours 20 ans. 2020, 20 ans. Et donc, l'objectif et la mission, c'est ça, c'est le partage entre la Caraïbe et l'Afrique, et la transmission et la culture, c'est bien ça? Transmission. Connaître son histoire, estime de soi, valorisation, apprendre à aimer les autres, en s'aimant d'abord soi-même. D'accord. Transmission. Et notre grand, grand projet sur lequel on va travailler, on va en parler tout au cours du mois de l'Afrique, c'est l'ouverture d'une école panafricaine. Okay. Pour que nos enfants, tout petits, apprennent à s'aimer, apprennent à se valoriser, apprennent leur histoire dès petits, parce qu'après, ça donnera des gens qui vont revenir s'installer dans leur pays et qui vont se battre pour leur pays. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui manque à notre jeunesse? Une sorte de valorisation des jeunes, c'est-à-dire limite des modèles à suivre. Et on voit souvent aux États-Unis, voilà, ou même ailleurs, ils commencent à développer des écoles comme ça, où on apprend aux jeunes afro-américains à être fiers de leurs cheveux, de leur peau. Est-ce que ça manque ici et de leur histoire? Est-ce que ça manque? Ça manque parce que souvent, c'est par manque d'estime de soi que les jeunes se lancent dans la violence. Parce que quand on s'aime pas, mais on peut tuer l'autre parce qu'il ne représente rien. Mais si on s'aime, on sait qu'on a de la valeur, et bien l'autre aussi a de la valeur, parce que c'est nous. Exactement. Donc en fait, ce sont des écoles qu'il faut développer au maximum pour qu'on apprenne à s'apprécier à sa juste valeur, à s'aimer. D'autant plus que nous avons une histoire qui est extraordinaire. Et ouais. Donc quand on la découvre, et bien on ne peut que s'aimer. Est-ce qu'il y aura des invités de la Caraïbe? Il y aura Juliette Smeralda qui vient de la Martinique, on aura Clapopo qui vient de Martinique mais qui est de Côte d'Ivoire. Okay. On a aussi des invités locaux, hein, Gilles Casimir. Okay. Il y a des invités locaux pour notre espace local, Caraïbes, Afrique. Donc c'est vraiment un grand partage. Oui, c'est un grand partage qui a lieu tous les deux ans. Le mois de l'Afrique, c'est ça. Se rencontrer, apprendre à s'aimer, apprendre à s'écouter, apprendre notre histoire ensemble et puis faire des choses ensemble. Là, c'est la deuxième étape, c'est l'économie. Quand on n'a pas la maîtrise de son économie, en général, ça ne va pas très loin. Exactement. Donc, il faut aussi récupérer ce point-là, notre histoire, mais aussi notre économie, pour qu'on puisse avoir des bases solides pour aller beaucoup plus loin. Vous donnez envie de venir. Franchement, elle me parle là. Ça fait clic, clic, clic dans ma tête. Et justement, est-ce que le mois de l'Afrique s'exporte? C'est-à-dire, est-ce que vous allez à Saint-Martin, à la Dominique, à Haïti, Martinique? Ça peut intéresser les îles voisines. Tout à fait. Alors, c'est la prochaine étape. Okay. Ce sera d'abord la Martinique. D'accord. Et on s'installe déjà bien en Guadeloupe, sur notre archipel. Donc là, la prochaine étape, ça va être la Martinique. Mais là, on est sur Saint-Martin. Marie-Galante, on essaie de bien être sur l'archipel. Ok, bon, la Martinique, pour l'instant, en attendant, vous pouvez venir en Guadeloupe, on vous accueille, bien sûr, les bras ouverts. Je sais qu'il y a le carnaval, je sais que c'est la période et que vous aimez votre carnaval, mais venez faire un petit week-end tranquillement. Faut venez pas voir Julius. Garvey. Faut pas rater Julius. Faut pas rater Julius Garvey. C'est incroyable qu'il soit en Guadeloupe. C'est extraordinaire. Justement, lorsque, ça, c'est la 13e édition, on rappelle, lorsqu'ils viennent, vos invités, vos guests en Guadeloupe, comment ressortent-ils? J'ai l'impression que lorsque les Africains viennent en Guadeloupe, ils se sentent comme à la maison. Ah oui, en général, ils disent, mais on est au pays, là. On est, ouais, c'est ça. Comme quoi, on n'est pas si éloigné, mine de. Non, pas du tout. On a gardé quand même le background, la famille. La base. La base. On a gardé ça. Et c'est vrai, c'est pour ça qu'ils se retrouvent un peu en se disant, mais puis on a gardé aussi le faciès. Heureusement, la mélanine qui nous suit là et on est content de l'avoir gardé. Ça nous permet de nous rappeler toujours que nous venons de là-bas. Exactement. Alors, que peut-on ajouter sur le mois de l'Afrique? On sait qu'il y aura donc Julius Garvey, on le dit, on le répète, on le répète, qui sera là en conférence. En plus, c'est gratuit. Vous pourrez le voir gratuitement. Mm-hmm. On aura donc des professionnels. On aura Showmode avec les créateurs et bien sûr Kemerots
Eh oui, on aura quoi encore? On aura des l'élection de la reine de Saba, voilà. On aura des conférences avec des locaux. On aura des spectacles avec les gamals. Oui, les gamals, Blade Mikey, et puis on a un spectacle musical parrainé par Dominique Coco qui encourage aussi ce mois de l'Afrique. Et on a le week-end retour naturel. Qui termine le mois de l'Afrique, 29 février. Retour au naturel, justement, cette partie m'intéresse. Retour au naturel, qu'est-ce que c'est ? C'est un week-end où on donne la part belle à nos artisans. Tous ceux qui travaillent sur les produits du terroir, les produits d'ailleurs, mais qui sont naturels. On peut venir trouver des produits pour la peau, pour le cheveu, des vêtements, des bijoux, avec émeraudes, bien sûr, entre autres. Voilà. Et puis des conférences. Des défilés. En fait, bref, on essaie de que tout le monde puisse trouver quelque chose qui l'intéresse dans ce mois de l'Afrique. Ouais. Mais le mieux, c'est de prendre, de sélectionner, de venir à un maximum de choses. Est-ce qu'on peut déjà s'inscrire sur le net ou est-ce qu'il faut absolument acheter ses tickets près de l'association ou même sur place? Sur Unwall.com, à l'Ibérie Générale, avec la nouvelle équipe là. Ah, on salue d'ailleurs la nouvelle équipe. Tout à fait, ils sont OP. Excellent. Donc, alors maintenant, veut prendre plus d'informations ou en savoir peut-être un petit peu plus sur l'association Racine, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram? Facebook, Twitter, Instagram, ça va s'afficher. Ça s'affiche instantanément. Ah, magie. Et même un numéro de téléphone, vous pourrez nous appeler parce qu'on est disponible, on répond au téléphone et si on n'a pas répondu, on rappelle. Eh oui, c'est comme ça que je les ai eu. J'ai appelé, ils rappellent tout de suite après. Franchement, c'est des professionnels. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous parler du mois de l'Afrique. C'est excellent, le programme est vraiment alléchant. J'espère vous. Et oui, vous allez sortir de chez vous. Vous connaissez la devise de l'émission. Sortez de chez vous, mais après l'émission. Merci d'être passé. Et puis, longue vie encore une fois à l'association Racine. Dès qu'il y a une petite information, vous repassez, vous nous la donnez et on communique. Si on a de nouveaux invités entre temps, on repasse, c'est possible, c'est gérable, bien sûr. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Et oui, mais ça, c'est après quoi? Après la pub, à tout de suite.